Bonjour, chers collègues, bonjour les investisseurs, les partenaires, les détracteurs, ceux qui sont pour le projet, ceux qui sont contre le projet, tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, c'est le jour 25. On n'est pas le 25 juin ou juillet, c'est le 2 juillet, mais c'est le jour 25 du montage des constructions en métal du bâtiment. Et nous avons décidé de parler un petit peu de ce bâtiment. Il y a de l'équipement derrière, il y a du bruit. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pourquoi je voudrais en parler? Le 25 mai, sur le même site de construction, on a organisé un événement pour poser une capsule de temps. Mais c'était le 25 mai. Et aujourd'hui, on est le 2 juillet. Moins d'un mois s'est passé du moment de l'installation de la première colonne du bâtiment. Et maintenant, sur l'arrière-plan, vous voyez déjà l'ossature. L'ossature a été montée. Les axes du 17 jusqu'au 23. 7 axes du bâtiment et moins d'un mois s'est écoulé. C'est l'ossature en métal et ce n'est pas que cette ossature est montée, c'est vérifié, c'est testé. Tous les travaux de topométrie ont été effectués. Toutes les colonnes sont à 100% verticales, droites. Il n'y a pas de travers, il n'y a pas de déviation. Tout a été vérifié, tout a été bien aligné. On a utilisé des clés spéciales pour vérifier les jonctions. Dans les vidéos dernières, vous avez pu voir tout cela. Maintenant, il y a beaucoup de travaux actifs sur le site de construction. Ce sont des travaux de préparation pour effectuer des travaux qui suivent. Parce qu'il y a encore beaucoup d'axes. Nous, on en a fait 7. Il nous reste encore 16. Il faut monter les constructions. Néanmoins, on peut déjà commencer d'autres travaux liés au montage des planchers. Et on va utiliser les axes qui ont déjà été posés. Mais avant de le faire, l'entrepreneur va faire la coulée des colonnes. Maintenant, on va aller sur le site et voir ce que c'est. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le maximum d'explications, de commentaires pour que vous compreniez ce qui se passe. Allons-y. À gauche de moi, vous pouvez voir la décharge des coffrages, le déplacement des coffrages. Ces coffrages ont été déplacés pour effectuer les travaux pour la coulée d'une volée d'escalier. Ici, vous pouvez voir une colonne de la fondation et le site pour le béton. Là, on va faire le montage des coffrages pour faire la coulée du puits de la volée d'escalier. Allons plus loin. À droite de moi, vous pouvez voir, pareil, les coffrages. On a fait la pose de la fondation pour les colonnes et on peut voir la grille d'armature. Ce sont les volets d'escalier. On peut également voir sur l'arrière-plan, on va s'y approcher, on va voir également les volets d'escalier. Allons-y. Ici, ils ont pris le béton, ils vont tout aligner, tout vibrer. Ils ont apporté un générateur d'énergie et ils vont utiliser les vibrateurs de profondeur. Ici, on peut voir les coffrages pour la coulée. De ce côté-là, on peut voir la fondation toute prête où il y a l'hydroisolation. S'il vous plaît, portez votre attention sur cela. Là, en face de moi, il y a un entrepôt. Un entrepôt de coffrage. Il y a le rouleau qui est en marche. À l'arrière, il y a l'entrepôt de coffrage. Ces coffrages sont destinés pour le montage et la coulée
des planchers. Tout d'abord, on va couler les planchers entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc voilà, ce sont les coffrages spécialisés. On a livré ce coffrage. Et maintenant, on va faire du compactage du sol à l'intérieur du bâtiment. Et après, on va couler les colonnes. Après, on va augmenter de la robustesse du matériel avec du béton. Et puis, on va voir comment on va monter le coffrage pour les planchers. Et puis, il y aura la coulée. On va s'approcher du bâtiment et on va voir ce que c'est que la coulée des colonnes. Vous voyez que sur les fondations, il y a des boulons d'ancrage, des écrous. C'est fait exprès pour mettre les colonnes au même niveau, pour que les marques géodésiques soient au zéro. J'espère que les opérateurs vont filmer cela et on pourra voir que toutes les colonnes sont au même niveau, aligné à la même corde. Cette colonne est là, elle est mise là et on peut voir de l'espace sous la colonne. Là, on va mettre des coffrages et on va utiliser de la solution spéciale pour faire de la coulée pour toutes les colonnes. On le fait pourquoi? On a beau essayer, mais on n'arrive jamais à faire la fondation à 100% droite. C'est pour cela qu'il y a des solutions technologiques comme cela, des processus technologiques comme cela. On a 78 colonnes où il faudra faire de la coulée. Puis les monteurs vont y mettre des feuilles et ils vont mettre des coffrages et préparer les planchers pour la coulée. Et la coulée sera effectuée par d'autres ouvriers, par une autre société. Là, on voit à droite une volée d'escalier, un puits d'escalier. La marque 0 a été mise. Maintenant, on est en train de faire, de mettre des grilles d'armature et puis on va faire le puits. Et le puits va se tirer vers le haut avec le bâtiment. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, les bâtiments sont tous des niveaux différents. À l'intérieur aussi, je suis maintenant à l'espacement de la volée et à 2 étages. Mais en face de moi, c'est une volée à 3 étages. Si on se déplace vers la droite, ici, on pourra voir une partie à 2 et à 3 étages. Si on se met ici, si on regarde l'horizon, on le voit très bien. Cette partie du bâtiment, c'est une partie d'entrepôt. Ici, il y aura l'entrepôt des matières premières et des produits prêts, des produits fabriqués. Tout droit, il y aura 2 encadrements pour les portes cochères, pour que des voitures avec des conteneurs, avec des cargaisons, puissent entrer et faire la décharge ici, à l'extérieur, à travers la rampe derrière. Maintenant, sur le côté droit, à droite et à gauche du bâtiment principal, il y a des bâtiments annexes. Vous avez pu les voir dans les brochures. Maintenant, on est dans des annexes. Les oreilles, on les appelle, comme un Chebourashka, un personnage de dessin animé russe. Ces bâtiments annexes sont destinés pour le montage et l'installation de l'équipement spécialisé. Ici, il y aura de l'équipement spécialisé. On peut maintenant passer à l'extérieur pour voir mieux et on vous montrera cela. Ici, on peut bien voir. Voilà, c'est un bâtiment à part. On voit qu'il y a déjà le montage des panneaux de sous-sol de la partie basse et ces panneaux-là vont couvrir tous les bâtiments. Et on voit un encadrement au centre. Il y aura une porte cochère
pour pouvoir faire entrer l'équipement lourd, l'équipement technologique. Il y aura des sous-stations, des installations pour produire du gaz et d'autres types d'équipements qui seront déplacés du bâtiment principal. Quand on disait que, voilà, prenez n'importe quel bâtiment, on ne peut pas tout faire à la même façon. Ce bâtiment-là est à 100% spécialisé pour résoudre des tâches particulières, des tâches concrètes. À part la volée principale, là on peut voir un autre encadrement, il y aura une entrée à part. Cette partie-là sera fermée avec des rampes. Derrière, on voit voilà, l'armature pour les volets d'escalier également. Ici, on voit la partie de rampe. Il y a le montage de levant au-dessus de la rampe. On voit des poutres, il y a une grue qui est en marche. Et on voit aussi les panneaux de sous-sol et ils sont déjà mis. À l'instant, entre autres choses, on va mettre des panneaux de sous-sol sur tout le périmètre. On a déjà libéré l'espace et de l'autre côté, on va libérer aussi l'espace et on va monter des panneaux de sous-sol. Et en fait, le bâtiment aura déjà son contour. On peut aussi regarder en face. Devant nous. Dans les vidéos précédentes, ici, il y avait un grand entrepôt. Il y avait des constructions en métal dans cet entrepôt-là. Mais maintenant, il n'y a que des restes. On voit que l'entrepôt est presque vide, bien que très récemment, il y a très peu de temps, des sous-traitants, des ouvriers y acceptaient de la cargaison. Mais maintenant, on libère l'espace, les constructions en métal se mettent voilà, vers le haut, dans le haut. Puis on va libérer l'espace et on va y apporter des constructions de barrières et aussi des toitures. Donc, vous pouvez bien voir quel travail est mené. Il y a du travail malgré tous les cataclysmes climatiques. Il y avait de la neige, il y avait des pluies averses, il y avait des inondations, il y avait de l'évacuation de l'eau. Derrière moi, vous pouvez voir une fosse pour l'eau, pour l'évacuation de l'eau, pour le pompage d'eau. De l'autre côté, il y a également des choses similaires. L'évacuation des eaux a été faite ont du temps. Et vous pouvez aussi voir que le bâtiment est suspendu par rapport au relief général. Cela nous permet d'éviter des problèmes par la suite, des problèmes avec la gestion opérationnelle. Il n'y aura pas d'inondation. Tout est suspendu, tout est fait de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moins d'un mois s'est passé. Tout le monde a posé les questions, c'est quand, c'est pour quand, voilà, tout est là. Mais pour lancer le processus, il fallait faire beaucoup, beaucoup de travail de préparation. Le projet est vraiment unique, l'architecture est unique, les constructions en métal sont uniques, tout est unique. Pour chaque détail, pour chaque construction de métal, on a fait des dessins, puis on a utilisé les dessins pour fabriquer les constructions. On a payé pour tout cela, on a payé de l'argent, des sommes folles d'argent. Et on peut imaginer qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu collecté les fonds nécessaires en due temps et si on n'avait pas payé en avance pour la fabrication de tout cela. Et croyez-moi, j'ai payé beaucoup d'argent pour cela. Et j'ai payé de l'argent sans avoir encore de résultats. Et franchement, moralement, c'était difficile. Parce que n'importe quelle chose aurait pu se passer. Mais néanmoins, tout a été bien, avec succès. Tout a été selon ce qui était prévu dans le contrat. Tout a été bien fait. Néanmoins, il est trop tôt de se détendre. Parce que tout n'a pas encore été fabriqué. Beaucoup de choses sont en train d'être fabriquées. Et inclut l'équipement,
l'équipement technologique pour le bâtiment. Il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Et malheureusement, les prix pour les matériels grandissent. J'espère bien que cette croissance s'arrêtera et que la situation se stabilisera. Parce qu'il est très difficile de prévoir, de pronostiquer les travaux et d'organiser les travaux, de payer tout le monde. Parce que s'il y a de l'incertitude, s'il y a des cataclysmes, croyez-moi, il est très très difficile de travailler. Et plus difficiles sont les conditions, plus strictes sont les exigences par rapport à la discipline, d'organisation, de travail, de technologie, tout devient plus strict. À quoi cela mène? Bon, je ne vais pas vous le dire, mais franchement, il faut être très très exigeant par rapport à tous les processus. Mais nous comprenons très bien la tâche que nous avons commencée. Nous comprenons très bien ce que nous faisons. Personne n'a d'illusion. Personne n'a aucune illusion. Et la tâche principale pour nous, le programme minimum, c'est d'ici l'automne, finir avec le contour extérieur du bâtiment. Je parle des barrières et de la toiture pour préparer le bâtiment au montage intérieur. Ça sera encore une nouvelle étape. Et en atteignant cette étape-là, on comprendra ce qu'on aura par la suite, quelles dépenses on aura. Il faudra beaucoup de câblage. Il faudra beaucoup de matériel de finition, de décoration. Vous savez très bien vous-même ce qui se passe avec tous ces matériels sur le marché. Si maintenant on retourne au début du projet, l'année 2017, on planifiait quoi? 3 années. Maintenant c'est quoi? 2018, 19, 20, 21. 4 ans se sont passés. Et en fait, d'ici 2022, normalement, à la même période, nous devons déjà présenter le bâtiment à la Commission d'État. J'espère bien que ça sera le cas, mais on ne peut pas être à 100% sûr, parce qu'on n'est pas Dieu. On va essayer de le faire, on va essayer de rester dans les limites du temps, mais il y a beaucoup de choses, les conditions ont beaucoup changé. Maintenant, par exemple, on attend de l'équipement qui va venir de Chine. Qu'est-ce que je peux dire? Les prix pour le transport ont augmenté 10 fois. Le prix pour les constructions en métal ont augmenté 3 fois. Le sable que vous voyez là derrière, cela a aussi augmenté de prix. La main-d'œuvre, pareil. Qui aurait pu dire en 2016 ou en 2017 que cela serait le cas? Mais quand même, les collègues, voilà, cela devient notre réalité, c'est bien palpable. Il y a déjà à quoi toucher avec les mains, quoi voir avec les yeux. Ce n'est pas ce qu'on avait avant, juste les papiers, les documents, les dessins. Maintenant, on a déjà le bâtiment physique. Ce sont des objets matériels qui ont déjà un certain prix. Et je peux vous dire que des structures financières nous contactent déjà et ils nous proposent de compléter le financement du projet. Et vous savez à quoi cela mènerait? Bah, si jamais quelque chose allait de travers, ils nous prendraient ce bâtiment et ils le revendraient avec du profit. Vous savez, il y a des structures qui aiment bien le faire, qui aiment bien utiliser des moyens comme cela. Mais nous comprenons très bien les problèmes que cela pourrait entraîner. Et nous comprenons très bien que dès que tu entres dans des relations comme ça, franchement, peut-être on ne pourra pas finir le projet. Il y a un proverbe, si tu veux bien dormir, ne prête pas d'argent. Parce que si tu prêtes beaucoup d'argent, on pourra te tuer pour ne pas te rembourser. Il est moins cher d'embaucher un tueur à gages que de rembourser une dette. C'est pour cela que nous devons fournir tous les efforts pour respecter nos obligations. Et maintenant, je demande à tous les investisseurs de ne pas vous détendre. S'il vous plaît, faites vos paiements échelonnés parce qu'un arrêt de construction, c'est comme la mort. On ne peut pas arrêter le processus. Tout arrêt entraînera des dépenses très importantes, très importantes. Donc, pas d'illusion, pas d'illusion. Ni nous, ni vous, nous ne devons pas avoir d'illusion. Nous pouvons travailler, nous pouvons organiser, vous pouvez bien le voir.
Il y avait des gens qui faisaient le tour du site de construction. Tout le monde nous disait que l'ordre est parfait si on compare avec des sites de construction similaires. La discipline technologique, c'est très bien. Et cela coûte beaucoup. Franchement, c'est très précieux, c'est très valable. Maintenant, on va faire des vidéos, on va tourner ce qui se passe sur le site de construction. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Je pense que notre rendez-vous prochain, ça sera quand on va fêter un mois du moment du montage. Je vous souhaite de bonnes journées et de la bonne humeur et que la COVID disparaisse. Всем пока.